Allô les gamers, c'est Yonix pour une vidéo de Call of Duty Black Ops 2. Alors, ça fait, on va dire, un certain temps que j'ai pas présenté de vidéo hors de du comment dire de Call of Duty multijoueur. Donc, je vais vous présenter un peu de Zombie, D-Rise. Vous devez en avoir entendu parler, même beaucoup, pour les joueurs de Call of Duty. C'est Rémi qui m'a passé le pack puisque j'ai pas trop d'argent en ce moment. Puis j'ai des problèmes familiaux, donc en ce moment je peux pas trop assurer les vidéos bien sûr, les vidéos multigaming. Alors désolé, enfin je voulais vous faire plaisir pour la série des vacances, même si j'ai pas présenté vraiment du bon gameplay, du bon commentary. Et j'espère que cette vidéo vous plaira un peu plus. Surtout que c'est du live en zombie. J'en ai pas présenté depuis un certain temps sur ma chaîne. Enfin, à part sur la dernière vidéo, mais c'était pas vraiment un live. Et en plus, c'était du différé. Et je parlais d'autres choses. Ce n'était pas vraiment du zombie. C'était juste pour mettre un truc derrière de ce que je parlais. Alors j'espère que les vidéos vous plaisent toujours autant sur ma chaîne. Je prends autant de plaisir qu'avant de faire des vidéos sur YouTube. Surtout que je suis bientôt sur YouTube depuis un an. Enfin, bientôt. Ça fait bientôt... enfin, dans à peu près 4 mois, je ferai ma spéciale de 2200 années sur YouTube, bien sûr. Depuis bientôt un an sur YouTube, et j'espère que vous allez autant aimer mes vidéos qu'avant. Voilà, et c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Enfin, après, j'ai pas mal de trucs à vous dire si je suis un zombie, mais bon, là je vais bientôt arriver à mes 400 abonnés. Enfin, 400, je suis pas encore à 400, non. Il me faut encore quelques stats puisque je suis qu'à 350 et quelques abonnés. Alors si vous pouvez faire passer à vos amis, un maximum à vos amis ma chaîne YouTube pour que j'arrive aux 400 ou bientôt 500, parce qu'en fait je veux avancer le plus rapidement sur YouTube que je peux pour directement faire vraiment beaucoup de polyvalenceté, surtout sur les gameplays et pour avoir plus d'avis sur mes vidéos, même si j'en ai déjà pas mal de youtubeurs qui me suivent, et ça c'est vraiment encourageant. Même si j'ai qu'à peu près 150 abonnés actifs sur beaucoup. Toi tu dégages directement, puisque dégage, dégage, c'est mon coin ici, tu dégages. J'aime pas les gars qui prennent les places. Ça, c'est vraiment chiant. Enfin, c'est juste pour vous emmerder, en fait. Après, pour ceux qui veulent bien sûr m'ajouter sur le PSN, c'est toujours Spirit tiré du site Yonix. Après, j'ai mon compte de team, mais ça sera plutôt pour la team. La team. Ah, j'ai un peu oublié le nom. Il faudra que je la prenne un peu plus tard. Enfin, c'est sûr qu'il faut que je l'apprenne, mais bon, je suis vraiment désolé au chef de la team si j'ai oublié le nom. Mais bon, à mon avis, il m'excusera. Enfin, un tout petit peu au moins, s'il te plaît. Tu me. Ah oui, je me disais aussi. Bon, comme vous voyez, je suis toujours aussi. bon, j'arrête de faire un peu le con. Toi, je te ranime. Ouais, je te ranime. Allez, tu te prends tous les zombies au cul. Si tu meurs, c'est ton problème. C'est pas ici que j'aurais dû aller. Puisque là, il y a beaucoup de zombies à mon cul. On va essayer ce snipe. Écoutez. Ah ouais, c'est déjà pas mal en début de manche. Puis un début de manche, on n'est pas en début de manche. Qu'est-ce que je dis, moi? Enfin, faut vraiment que j'aille me faire soigner en ce moment. J'ai beaucoup de problèmes de tête. Non, je rigole. J'ai quelques problèmes mentaux. Non, je rigole. Bon, j'arrête de rigoler. On n'est pas une vidéo là que pour rigoler. Enfin, pour parler déjà de trucs importants. Enfin, je vous l'ai dit à peu près. Et j'espère que la vidéo va vous plaire. Enfin, c'est le principal que je veux atteindre. C'est que vous aimiez mes vidéos.
Et ça, c'est vraiment déjà hyper bien. Ah, j'avais pas vu que la boîte, elle était là. Ah ouais, c'est déjà pas mal. Je savais pas que la boîte, elle se situait comme ça, là, au plafond. Enfin, même si j'en avais entendu parler. Parce que je l'ai essayé que trois fois, la map. Et j'ai le exécuteur, l'arme la plus pourrie au monde. Même si elle peut être shot jusqu'à la balle, je sais pas trop. Ah ben voilà, j'ai fait un gameplay exclusivement au sniper. Ah oui, ça c'est bien ça, ça c'est bien. Des gameplays sniper en zombie, on n'en a pas vu tant que ça. Enfin, on en a vu, mais pas tant que ça. Comme je l'ai dit. C'est par ici? Ouais, c'est par ici. Hop, alors je sais pas par où ils sont passés pour là en bas. Sûrement par là. Je sais pas en fait par où on passe pour aller en bas. Ah voilà, par ici, là, par là. Et par ici. Ouf, ouais, en fait c'est que j'ai peur ici parce que je vous dis, je suis mort pas mal de fois ici. Et que... Je ne ouais, j'ai vraiment eu peur là sur ce coup parce que je suis qu'avec des snipers même si je suis assez bon au sniper en fait. Enfin, je dis pas que je suis un PGM mais je suis assez fort au snipe. T'as un problème toi? Ah! Ouais, un zombie c'est assez chaud de jouer au sniper. Enfin, des gameplay sniper, ok, mais. Mais en multijoueur, quoi, parce que. Là, il y a un gros problème hein, de compréhension si je dis sniper et multijoueur. Hein, c'est. On va dire, c'est pas la même chose. Attends, comment ça se fait qu'il n'est plus là? Puisque. Ouais. C'est un peu bizarre cette map, enfin. Je l'ai pas encore vraiment grandement testé, même si ça se dit pas grandement. Grandement. Bon, j'arrête de faire le fifou. J'espère que ça va vous aider de voir ma vidéo pour vous améliorer sur D-Rise, puisque c'est une map assez bonne. Enfin, moi personnellement, je trouve. Et si je me fais tuer par ces gobelins, vous ne rigolez pas surtout, parce que. Je ne les aime pas ces gobelins. Ils sont casse-couilles. Ils sont vraiment énervants ces gobelins. Je vous le dis directement. C'est très dur de les battre. Parce qu'en fait, ils arrêtent pas de courir. Enfin, si vous achetez le pack, je vous dis, ces gobelins, c'est la merde du jeu. On va dire que au lieu de la lave, enfin, à part que vous pouvez tomber. Très bas dans la map, désolé. Mais il y a ces petits gobelins. Il y a ces petits gobelins qui sont pas assez. Enfin, ils sont un peu trop chiants, voilà. Ils courent partout. Ils sont aussi forts que Chuck Norris. Et ils font que faire chier. Voilà. Aïe 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 aïe. Non, 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 gobelin. Gobelin, ne tue pas. Ne tue pas. C'est pas bien, gobelin. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Voilà, j'ai pris les munitions en plus, tu vois. J'ai pris aussi une arme de... Oh non, j'ai changé mon petit... Oh bon, le DSR, mon arme favorite en tu vois. Mais en zombie, c'est pas trop ça. Non, les gars, vous gérez pas, vous gérez pas. Yo, mec. Alors là, il faudrait que je trouve les trucs avant eux. Parce que, en fait, là, je veux faire l'arme. L'arme spéciale. Il faut faire les rebords. Parce qu'en fait, je sais pas trop où les avoir. Normalement, on les a vers ici. Normalement, il y en a une. Non, pas ici. Attends. D. J'ai vu. Ah oui, c'est la porte. Hein. Ah oui. Eux, ils en ont déjà trouvé. Ah oui, j'en ai une, il y en a une en haut, si je m'en souviens bien. Non, ici, ici, ici. Non. Ah voilà, ici.
Normalement, il y en a un qui se situe vers là. Ah non, 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 en fait, ils les ont directement trouvés, eux. Je savais pas. Ben, je vais retourner là-bas en bas. Et hop! Alors, je sais pas. Ah non, 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 je crois pas, non. Ouah! Ah ouais, ça devient chaud là. Oh, ça devient chaud. Oh, ça devient chaud. Pas mourir surtout. Pas mourir. Oh, restez calme. Restez surtout calme. C'est le plus important. Enfin, je trouve. Parce qu'alors là, en fait, c'est que je suis le dernier survivant. Et je suis mort à la manche 7. Bon, mais j'espère que la vidéo vous a, on va dire, un peu plus, même si le commentary n'était pas encore net, puisque je n'ai pas vraiment fait de vidéo particulière. Et voilà. Au revoir tout le monde pour une vidéo de Résistance, ou Assassin's Creed, ou Far Cry 3, ou Borderlands 2. Enfin, une vidéo quoi. Gaming en tout cas, parce qu'en fait, je ne prends plus en fait de gameplay à mon plaisir. Enfin, je mets des dates, bien sûr. Ça, c'est toujours la même date, mais ça sera pas des jeux fixés, voilà. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Désolé, j'ai un peu bugué.